Ça s'est passé dans votre chambre My là? bad. Je My sais bad. pas, apparemment Bien on l'a vu. retrouvé devant l'entrée. Bien vu. On fait espère que tu continues juste au boss qui va te shooter. Mais oui, non, mais là, c'est chaud. Oui, chaud. Bah, je vais faire ce Pas spark là, j'ai envie de vraiment, faire on va celui-là. dire. Donc faut que je fasse les Mais c'est défis trop là. tôt pour. Bah, du coup, on va regarder les défis. Comment Tu on fait crois les pas qu'il est pas défis? pour rien, peut-être? Non. Mais Pourquoi arrête tu de veux que dire ça des soit conneries, lui? Toi, ferme Sacha. ta gueule, qui êtes-vous, Ah, monsieur? Pourquoi vous me là. parlez? T'es Imura, encore une On n'a rien à fois. foutre, Yuna. Tu t'es pas posé la question? C'est vous? Ah, très bien. Peut-être que ça l'arrangeait. Mais jamais il ferait une chose pareille. Ah oui, peut-être que lui, il le ferait pas lui-même, mais que. Qu'il enverrait quelqu'un le faire. Non, comment je fais les défis? Mais Oh, les quoi? défis! Oh! Il n'y a pas plus gentil que lui. C'est C'est toi. moi. Enlève-toi ça de ta tête, c'est pas Sean. Oui, C'est bien moi. sûr. Qu'est-ce qu'on en sait, hein? Ah oui, ok. Bye bye. Je le connais. Ça se trouve, il faisait semblant et il avait envie Progression. d'élever des gosses qui ne lui appartenaient pas. Sacha. Non, c'est Je pas là suis en pas fait, sûre que Yuna j'ai. ait envie À l'aide! d'entendre des accusations sur son futur mari. Il y a eu des dépositions de fait, apparemment une déposition de Nae qui aurait reçu un mail de Curtis qui lui parlait de gens en AK-47, je sais pas quoi. Donc Ah non, ils sont vous tombés. allez être au courant, ils vont vous What? questionner aussi les flics. Nous? Oui, parce Quoi? que vous étiez présent, ils vont prendre une déposition. Quoi? Présent où? Ah bah attends, je vais faire des Au dépositions. Dragon Cahier. Comment ça, mon ref? Oui. Le soir où ça Oui, s'est c'est passé? bon, t'inquiète. Attends, mais tu viens de voir ce Mais que. oui, on Qu'est-ce que. était dedans Mais avec qu'est-ce que quoi? Rémi. Il y avait des gens avec des AK-47? Ben, c'est ce que Curtis il aurait dit, ça s'est passé devant, je sais pas, il a Bonsoir. envoyé un mail Bonsoir. à Bonsoir. Naï. Bonsoir. J'ai une Et là en question bas, y'a plus pour rien là? Sacha Pichon et Catherine Pichon, non? Oui. Oui. Ok, très bien. Est-ce que ça serait possible de prendre une déposition par rapport à l'affaire de Yuna? Je peux courir, c'est Chaud. vrai. Faut que je Ouais, pense que je peux j'étais déjà courir. voir, j'étais même pas là moi. Apparemment, vous étiez bien là, c'est Yuna qui m'a dit que vous étiez présent. J'étais là moi, Yuna? Oui, J'étais mais où? tu travaillais? Je sais plus. Je sais qu'il y avait Catherine, Mais what the mais... fuck? Non mais Arrêtez! pourquoi vous Si, êtes si, fait... j'étais là, si, si, Mais j'étais oui, là, on j'étais était là, avec j'étais là, Rémi j'étais à là. l'intérieur. Oui, ok, oui, je parlais avec Ivy. Oui, ok, c'est bon. Ouais. Bon, c'est juste pour avoir des petites Ah oui, mais informations en plus je pour sais pas vous compléter le aider, bah dossier. allons-y, hein. Ouais. Oui, hey, On mais fait à gauche le défi, Moi, mais très j'étais en bien. train de charbonner à Ilé, en fait, je m'en rappelle. Très bien. Non, sinon. Mais comment je vais à gauche? Bah, c'est assez compliqué, mais bon. Ah. Allons. Moi, je vais à gauche. Vous avez déjà été. Ah non, il y a la flèche qui me dit en Je vais haut, scoder la encore. route. Et donc faut que je monte. Mais attends, mais comment je monte si c'est buggé tout le temps? Ouais, parce que du coup, on a ouvert une enquête par rapport à ça, et là, on va mettre la MTD dessus. Au moins, vous le savez. Là c'est buggé là. Hein. J'espère qu'on trouvera la personne qui a fait ça. T'inquiète pas. Tout c'est que j'ai vraiment rien vu moi. Du coup, 8-8, est-ce que t'as déjà fait. Oui, mais t'as déjà fait une déposition. Mais là, vous allez loin, monsieur Pichon? C'est juste une petite déposition, on aurait pu se mettre au-dessus. Hein. Ah. Après, si vous voulez aller dans la salle d'interrogatoire, c'est comme vous. Non, non, ce sera plus Mais là y a rien Il y a là. un bureau. Juste ici. Mais attends, faut que je sorte autrement là. À l'aide. Il est où mon vaisseau spatial là? Tu te sens de la faire ou tu veux que je la fasse? Comme Mais tu j'ai veux, pas moi vu je la fais d'accord. noter. En fait, moi je suis très nul pour noter. Allez, c'est bon, je À note. l'aide. T'inquiète. Moi je me téléporte. La dernière fois, À ça a l'aide. pris 1 heure quoi. Donc... Et tiens, tu t'as bossé un peu de la faire et là que t'es rookie. Bah vas-y, tu peux bosser. Et si tu veux, tu peux même prendre. D'ailleurs, on va pas vous embêter. On va Prends le prendre une drapeau, mais déposition ça veut d'autres. pas. Comme ça, au moins, Ah oui, ça va pas parfait. vous À prendre de l'aide. temps. Oui, Ok? de toute façon, nous étions ensemble tout le long. Voilà. Bah, c'est parfait. Ah si! Allez, Je vais juste ouvrir. Yes! Je T'inquiète, vais je juste note. ouvrir. Ah oui, si tu veux. Et non, mais pour trouver les. Chill, ok. Appuie sur le joystick. Et après, tu valides. Bébé! Ok. Franchement, je suis Ah, refait là, déjà, tout en on est anglais. libérable. Excusez-nous, hein, c'est. Y'a pas de On soucis. forme les rookies en même temps. Bah, on va aller là. Le Hein. Vire, il va commencer à prendre l'habitude là maintenant. Alors, j'aurais besoin de J'ai vous même pas eu besoin de le montrer punir l'entrée, d'Arbre à s'il vous chat. plaît. Vous commencez qu'à tout. Moi, je suis Catherine Pichon. Moi, Sacha. Il faut faire partir au moins 3 fantômes, ok. C'est bon, 55? Ok. Ah oui, moi, Ouais, vous. il dort, il dort. Ok, ok. Là, Je il y a un note. fantôme. Ok. J'ai besoin de vos numéros de téléphone, s'il vous plaît. Là, c'est niveau 20, donc pour l'instant, je vais. 75, 86. Par toi. Et moi, c'est 2000. Bah rien. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vas-y. Ok. D'abord l'enquête des fantômes parce que l'autre 4 est Alors, niveau 20. on va commencer du Et coup je suis niveau 16. par
Et alors, expliquez-moi. Expliquez-moi. Dragon Kai, qu'est-ce que vous avez vu? Voilà, dans l'ensemble. Et bien, nous sommes allés au Dragon Kai. Oh là, il n'y a plus de vie, mon truc. Oh, il n'y a plus de vie. Pour simplement prendre quelque chose à manger. C'est le restaurant de mon beau-fils. Je travaille. Je ne le crois pas trop. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez vu rentrer Yuna, Curtis, des choses comme ça? Bah des personnes tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Il y avait Yuna, il y avait sa sœur. Il y avait un autre homme qui est parti parler dans un bureau, je crois, au téléphone. Et je crois qu'il y avait ce Curtis là, puisque je l'ai croisé avec un... Moi, je les ai pas vus. Pourquoi tu peux pas mal, oui? Est-ce que vous vous rappelez de l'heure à peu près où ça s'est passé? T'as dit qu'il faut des niveaux. Ouais, t'inquiète, je vais les faire ici, les niveaux, t'inquiète. Minuit 30 peut-être? Oui, peut-être, mais aux alentours de minuit. Est-ce que vous avez quelque chose de suspect? Comme une personne un peu violente ou des choses comme ça? Qui avait l'air très agressive. Alors, agressive, non, mais c'est Curtis, en effet, il est un peu étrange. Bonsoir. Il détache sur ses vêtements et il demandait absolument à ce médecin d'aller à l'hôpital. C'est tout ce que j'ai remarqué. Et Sacha, vous avez rien remarqué du tout? Non, parce qu'en fait, moi j'étais derrière au niveau du bar. J'étais en train de m'occuper d'une cliente. Ok, donc vous étiez pas là à ce moment-là. Bah, j'étais dans Dragon Kai, mais j'ai. Moi, j'ai pas fait gaffe. Du coup, ok, parce que ça, je vais juste reprendre les questions. Vous étiez. Vous, c'est quoi, monsieur Pichon? C'est quoi votre nom? Bernard. Bernard Pichon. Okay. Bernard Pichon. Je voulais juste savoir, est-ce que vous étiez à ce moment-là, vous aussi, ou pas du tout? Mais de quoi on parle? L'agression de Yuna au Dragon Kai. Yuna, oui. Bah, non. Ok, mais très bien. Personne n'était là. Hein. Oui, nous étions au Dragon Kai. Aïe. Okay. C'est pas grave. Ok, et au moment de l'agression, après vous étiez plus là, on était d'accord que vous étiez déjà parti, vous, ou pas du tout, vous étiez encore sur les lieux? Non. Moi, de ce que je sais, c'est que je cherchais Yuna et on ne savait, on pouvait pas me dire où est-ce qu'elle était. Oui, en fait, d'un coup, il y a des gens qui sont venus nous voir, ils nous ont dit, oui, Yuna s'est fait planter. Voilà. Ah, ok, très bien. Mais nous, on est restés dans le Dragon Kai tout le long. Et vous avez, ok, très bien, et vous avez pas vu une personne qui, parce que ça, c'est surtout la question importante, qui s'est mis dans une salle avec... Avec Yuna, justement, une personne qui était plutôt proche d'elle, qui ne l'a pas lâché de la soirée. Non, justement, non. Non, mais... Mais... Il y a des gens qui m'ont dit que c'était un certain Curtis. C'est ça. Ok, mais pourquoi ils m'ont dit ça? Vous avez des informations par rapport à ça? Bah non, genre, parce que nous, en gros... Moi, je sais que ce Curtis-là était tout taché. De sang. Mais c'est tout. Oui, et moi, quand j'ai dit, mais qui a fait ça? Les gens, ils m'ont dit, bah c'est Curtis. Oh, bonsoir, capitaine. Bonsoir, capitaine. Comment allez-vous? Bah bof, je viens de perdre mes deux enfants. Oui, malheureusement. J'étais pas vous. Bah non, j'allais l'être. De Yuna. Charge, regarde. Encore une fois, le SPD. Mais là, je sais pas. Encore une fois, le SPD. Ah oui, mais ça fait. Ça mais fait, je sais pas, moi, ça fait 8 fois qu'on se fait agresser au Dragon Kai et y a toujours pas de patrouille qui passe devant chez nous. Ah si, 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 on passe souvent. Si, après, là, pour le coup, monsieur, s'ils se sont fait agresser à l'intérieur, on aurait pas pu savoir. Oula. C'était qui l'enculé qui a fait ça? Oh, il y a des doutes par rapport à une certaine personne. Curtis. C'est, y a pas de caméra? Putain. On est en train de visionner les caméras extérieures. Et le seul doute qui revient. Oui. Attention, j'ai fini ce qu'il y avait à faire. C'est un pur échec. Si tu veux qu'on se voie, on peut se les voir. Ok, attends, moi je suis un peu occupé là, d'accord? Normal, tu me dis. Je te dis. Vas-y. Chou, chou. Chou. Non, E40, E58. Lui il va prendre 300. Tu vas me faire des trous, frère. Non, il prend 160, du coup il va pas mourir. Je vais mettre les deux bastos. Sacha, s'il te plaît. Sacha. Quoi? T'as dit quoi, du coup? Bah, j'ai dit que j'avais pas vu, moi, malheureusement. C'est la vérité. C'est qui t'a fait ça? Faut juste tuer les fantômes. Je sais que si je l'entends, je tue. Ah oui? Comment ça, tu sais pas? Bah non, je sais pas. Et comment ça, tu sais pas?
J'ai eu un trauma crânien, Sacha. Je m'en rappelle plus. Mais je te jure que si je sais, c'est pas la police qui va s'en occuper. C'est lui. Oh, c'est Curtis. Pourquoi tu m'as fait le dinosaure et pas plus normal? Un petit peu corrigé. Mais comment ça, vous l'avez corrigé? Pourquoi je l'ai corrigé, c'est un méchant garçon. Plus normal. Dépêche-toi, passe une fois à la porte, dépêche-toi. Non, mais avec tu me mets plus normal, ça passe pas. Non, il te l'arrête de salon. Moi, je l'aime trop, il d'inter, ça me casse les couilles. Il a une semaine son perso, frère. Je te dis que... Trop facile. Non mais pas devant le PDP, pas devant le PDP. Rien à foutre. Non mais vous êtes fous quoi. Rien à branler. Non non non, on va pas niquer toute notre des années de couverture. Non, je nique ma couverture, je mets une balle entre les deux yeux, on sent pas les couilles. Non, on va. Hey, soyez patient, on va le capturer, on va faire des choses bien. Patience ici. C'est vous qui me parlez de patience. Oui, c'est moi qui vous parle de patience. Oui, moi je oui, bien sûr, je vous parle de patience. Je suis mais bien sûr, je revendique. Je suis patient. L'urgence est un plat qui se mange. Bah oui. Sacha. On va tous finir en prison. Sa voiture est là-bas, d'accord. Non, je finirai tout ça. Attends, est-ce que déjà le défi ça marche? Arrête. Moi ? Non, Jean. Non, moi je vais y aller. Non, on a deux quêtes. Pourquoi ? Brayton, va dans son coffre. Non. Bon, allez, c'est oh merde. C'est laquelle ? C'est là-bas. Ah, merci beaucoup à vous et bon courage. Quoi là-bas ? C'est quoi là-bas ? Bon courage, bonne soirée, Yuna. Bonne soirée. Laquelle là-bas ? Attends, je vais fuir parce que je dois regarder si la quête ça marche pas. Bah, c'était là. En fait, je vois pas là, c'est où ? Je comprends rien. Mais non. On a les quêtes, comment on fait pour avoir le journal des quêtes? Ah gentiment sur ce banc. Ah, voilà. Ok, 1 sur 3. Vaincre la flaque. Ne reste pas avec nous, il va pas nous assimiler à nous. J'ai un couteau, attendez, je m'en occupe. Non, ne crève pas, crève pas. Oui, perce, voilà, perce. C'est quoi la différence? Bah si on le perce, le pneu reste, mais il va se vider sur la route, alors que si on le crève, il explose. Peut-être pas tous les faire, hein. Oh, voilà. Bon, je suis pas sûr, en vrai. Allons-y, passons en mode filature. Oh merde. Attends, on va mettre. Je sais pas, mais sûrement un connard, hein, capitaine. Furax, il est passé staff. Non, on insulte pas comme ça. On l'a pris dans le staff, Furax. Qu'est-ce que je perds pour vous? Ça va, capitaine? Bah oui, vous. Vous avez pris du galon, non? Bah, je suis genre capitaine. Bonjour, monsieur. Bon, on dirait que vous avez plus de charisme là. Ah, vous trouvez? Oui, je trouve. Non, ça c'est vous, ça. C'est pas moi, hein. Ah, si, c'est vous, hein. Ah, ouais. Bah, c'est gentil. Bah, on va m'inquiéter dans tous les cas, d'accord? Ah, oui, bah oui, bah oui. Ah oui. Je vais vous dire que apparemment c'est Curtis. Qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Des bruits de couloir. D'accord. En gros, moi j'étais au Dragon Kai, à chaud. On m'a dit, Yuna s'est fait planter, Yuna s'est fait planter. Je suis sorti, j'ai dit, mais qui? Et tout le monde me disait Curtis. Parce que ils l'ont pas vu faire, mais apparemment il serait sorti du même endroit avec Yuna dans lequel il était, couvert de sang. Ouais, c'est bizarre ça. Ah oui. Mais alors, moi je serais bien qu'on installe plus de caméras dans Dragon Kai parce qu'il se passe souvent des choses là-bas. Oui, ma vie privée alors. Ah oui, mais au moins une à l'intérieur quoi. Non. Que vous pouvez désactiver à tout moment, ce serait bien ça, non? Non. D'accord. Ouais, du coup, on est. Voilà quoi. J'ai pas confiance. Vous avez pas confiance en moi? Non, mais j'ai pas confiance en. Comment ça s'appelle? En caméra. Je suis. Un complotiste. C'est ouvert, ouais. Perrin. Bon, en tout cas, là, on va essayer d'enquêter. Là, vous allez l'interroger, là, Curtis, ça? Bah oui, on prend sa déposition. Ok. Puis bon, après, mes agents vont prendre l'enquête en cours et puis. Ah oui, je comprends. On retiendra au jus. Vous avez vu, c'est sa voiture, ça? C'est sa voiture, ça? Elle est marrante, non? La voiture. C'est qui, ça? Une seconde!
C'est pas la voiture de Curtis là-bas? Bon, je sais pas. Ok. Bon bah ça marche. Bon, ouais, merci capitaine. Bah voilà, on vous... D'accord. Oui. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et pourquoi il y a que 3 fantômes en fait? Simplement que je les mets dans le quatrième. Il y en manque un là. Hein. Bah menti hein. Tu es 4 fantômes, il y en a. Ah non, parce que le lapin ça compte comme un GT, ok. Je viens de comprendre, je crois. Il a tout monté. 42-21. Oui, oui, il est pas très loin de moi, donc oui, vous pouvez l'appeler. Ok, merci. Je vais vous demander d'être le plus discret possible. Hashtag Zenitude. Nana, il faudra ensuite aller voir les Morningwood. Ils veulent voir. Pourquoi il y a autant de clochards dans cette. Oui, ce que je suis en train de me dire. Je me disais, mais attends, il y en a du monde là. Oui, excusez-moi, Kato. Non, je disais simplement qu'il faudra aller voir les Morningwood pour les payer et pour leur. Les... Enfin, ils veulent nous parler. Morningwood, les payer pour. Oh. Ben, on les a jamais payés pour le Mormon. Ils ont. Le Kenan. Oh. Mm-hmm. Non. J'utilise. Oh waouh, il y a un hélicoptère. Ah oui, Katou, il y a des hélicoptères à Los Santos. Ça peut arriver. Mais je suis beau. Entre les beaux, les hélicoptères. Écoutez, il s'en sortira pas vivant, je vous préviens. Sacha. Oui, père. Baisse congélation. C'est une question? Non, c'est une affirmation. D'accord. Donc veuillez affirmer mon affirmation. Oui, j'affirme. Merde. Aïe, ça brûle. Et Plata. Ah, lui, on va le tuer, par contre. Mais avec le plan des Patriots, vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Je vais appeler OG Dewu tout à l'heure. Si vous voulez, on peut aller le voir pour... Non. Il s'excuse en face à face avec vous. C'est chiant, surtout s'il n'y a pas l'avance rapide. Il faut que je me rappelle où est la clé après, si pour la racheter, hein, parce que moi, je suis plus volé. Oui, hein. Je mets des vides quintés, c'est pas pour rien. Non, au moins vous êtes dans le riche. Qu'est-ce qu'il est parti faire au commissariat, lui? Faire sa déposition. Et d'ailleurs, ce qui m'inquiète. Attends, mais je peux courir. C'est que là, il y a un bon qui décide qu'il est suspect et du coup, il le garde. Et donc? Et donc, peut-être qu'il sortira demain Sacha, ou dans Sacha, 3 heures, quoi. Sacha, s'il doit être emmené, d'accord, dans une prison, peu t'importe. Non, mais peut-être qu'il va juste rester dans Répéter le convoi et on récupérera son corps. Peut-être qu'il va juste rester dans les cellules de cette prison, quoi. En gros, c'est ça que je veux dire. Oui, Jean. Oui, allô? Oui. Oh, il y a un défi ici aussi. Petit appel juste pour dire que je suis out parce que je dois absolument faire les impôts, sinon je suis baisé. Ok, no problem. Donc voilà, donc je viendrai après, et puis si je croise avant vous, ben je le tuerai. Je vous ouais, tuerai, je sais okay qu'il reste un fantôme, mais je sais pas où il est. Allez, bisous. Bisous. Normalement, il est dans la forêt. Ce que je veux vous dire, père. C'est qu'on va pas rester pendant 3 heures devant le PDP. C'est pas un mec qui est compliqué à trouver. Hein. Imaginez, il le garde pendant 3 heures pour l'interrogatoire et tout là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sûr qu'il est... Oui, mais c'est pas sûr, c'est... parce que c'est simplement un suspect potentiel. C'est pas sûr, mais est-ce qu'on va rester pendant 3 heures si jamais? Non, non, non. On attend un peu et on voit si. Sachant qu'on peut demander au King de nous le trouver et tout. Oh, c'est quoi? C'est une pistache? Enfin, au Latin Kings. Non, mais eux, non. Pourquoi non? Non, non. Et moi, eux, c'est méga sûr, hein. Mais vraiment et pas. On va tuer Plata. D'ailleurs, ils veulent nous voir là. Oh. Pourquoi? Vous voulez que je trouve une position et je lui envoie la position? Oui, mais pourquoi ils veulent nous voir? Non, c'est pas là. Parce que apparemment, ils se sont fait baiser par les Mormons et ils veulent nous parler. Et je pense oui, que. Allô, j'ai l'impression oui, que les Mormons leur ont Pichon, fait pareil. Vous allez bien? Mais c'est où? Ça va et vous? Ça va. Y'a pas va, de fantôme là. Bah, oui. J'ai cru comprendre que ça allait pas trop bien. Arrête avec de m'attaquer! Les enfants. C'est-à-dire, dites-moi bah, tout. Bah, t'es où? C'est-à-dire que... Tu l'as vu? Le fantôme? C'est-à-dire que j'ai su pour Yuna. Attends, c'est censé être un fantôme ou c'est censé oui, être le tas de là-bas, là? Mais après, oui, Plata, il les a baisés, je comprends aussi. Bah, je venais prendre des nouvelles. Parce qu'il y a le tas là, mais c'est ouais, pas un fantôme, ça. Tu Plata? Ah ouais, c'est ça? Bah putain, c'est mal fait. Il demande de tuer des fantômes et puis il doit tuer un tas. Oui, elle a perdu ses deux gosses, quand même. Il est là, le problème. Oui. Ah non, c'est pas ça, ok. C'est ça, votre question. De quoi? Ok. Oui, je m'en rends compte, évidemment. Attends, je vais fuir alors. Oui, je m'en rends compte.
Oui, vous en rendez compte? Bah oui, oui, vous voulez qu'on le chope, le mec qui a fait ça? Mais vous êtes... Vous travaillez où, vous? Bah dans la rue, ça, c'est un mec des Latin Kings. Monsieur Pichon. Vous travaillez dans la rue? La rue, la vraie, la dure. Eh ben, vous savez qui c'est? Bah, je pense, oui, le fantôme. Que je peux me débrouiller dans la soirée pour avoir tout ça et ramener et le ramener. Eh ben, si vous arrivez, alors advienne que pourra. Comment ça, tu l'as vu? Okay. Et je vous recontacte par la suite? Pas du bah tout. Oui, Hunter. Bah oui, vous me recontactez. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, oui. Ok. Sinon, autre chose aussi. Mm. Tu n'as pas accepté le matin? Non. Si vous me le trouvez, on fera un effort. D'accord, impeccable, impeccable. Monsieur. Je reviens. Écoutez. Il y a quoi sur ce toit là? Que des fois il y a des toits, les gars, il y a des toits, ils sont random, il y a une grosse piscine en haut et tout. C'était qui ce mec? C'était DJ. C'est qui DJ? Comprends rien. Les mêmes conversations. C'est qui DJ? C'est le journaliste. C'est un journaliste? C'est un journaliste. D'accord. Un journaliste de la rue. Sacha? Oui. Il faut trouver un moyen de détendre. Ah mais c'est le Todd, pas possible. Alors, hein. Allez-y, j'ai le dos tourné. Non. Sacha. Je ne me retournerai pas. Non, Sacha. Vous voulez que je mette mes AirPods? Bon, je vais m'occuper du Todd et puis à mon avis, on verra. Hein. Juste, attention à la baffe sur la banquette arrière, Katoua. Je serai détendu quand j'aurai mis une balle de 12 ans. Vous me dégueulassez pas la banquette, je vous le dis. Hein. Dans le Curtis. Vous avez à manger à boire? Non. Oh. Je peux lui en donner. Oui, je veux bien. Et la King Kings qui arrive. Hein. Dites à Plata qu'on va le tuer. Bah non, du coup. Donnez-moi à manger à boire, père, s'il vous plaît. Mais vous avez cru que j'étais un distributeur? Mais vous venez de me dire que vous pouvez m'en donner? C'est vos mots? Cherchez, hein, si vous voulez. Hein. Donnez-moi. Vous êtes dans la boîte à gants? Ah, mais vous foutez de ma gueule, hein. Non, vraiment, vous foutez de ma gueule. Non, vous êtes encore trop jeune pour comprendre ce que je voulais dire par là. Je peux faire un carnage là. Ça va, Latin Kings? Ouais. Ça va, sans trop aller quand même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai niqué tout le monde. Ah ouais. Elle a encore ouvert la fenêtre. D'accord. Incroyable. Tes conneries, toi. Ah putain de merde. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Vous parlez à qui? Non, derrière moi. Putain. J'ai vu je l'ai cuite du mariage, j'ai eu des mariages dans le barrio, tout ça. Une putain de merde. Comment allez-vous, le père? Vous allez bien? Ça dépend. Ben. Ah, d'accord. Il est un peu tendu. Bon. Bah écoutez, moi j'espère que ça va bien parce que nous, on va bien dans l'ensemble, mais mal par rapport à notre situation. D'accord? Et je voudrais savoir, avoir votre avis. J'ai pris l'avis d'une autre famille aussi, avec qui on travaille, avec qui je sens qu'on a les relations les plus professionnelles. Malgré les petits dérapages de la dernière fois, etc. On s'est pas compris. Je pense que maintenant la page est tournée. Il va rattaquer l'écran. Mais comme vous le présentez aussi, mais j'ai quand même un problème. Vous voyez, souvent on missionne, ok? Les Latin Kings ou quoi que ce soit. On essaie de faire notre mieux. Mais dès que ça touche, j'allais dire à des gens qu'on connaît pas, des familles hors, vous savez, de la calle là-bas de Los Santos dans le sud. Où on se matarde, on se prend à coups de batte, à coups de marteau et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que je suis baisado tout le temps. Donc je fais quoi? Alors, pourquoi? Parce que là, la dernière fois, vous nous missionnez, soulevez quelqu'un. Je soulève quelqu'un. D'ailleurs, j'avais une autre story en parallèle que je voulais savoir quelque chose. Vous l'avez mal pris. J'ai compris votre point de vue. Moi, vous comprenez mes points de vue sans jamais avoir donné une personne que vous soyez tué, ligoté, n'importe quoi. Non, mais disiez, j'ai le BD2F. Il y a jamais de dans tout ce qu'on a fait. Et le problème, c'est que moi, je me retrouve aujourd'hui et j'ai envie de pouvoir aider. Mais à chaque fois que je vais devoir interagir avec ces missions-là, ben, derrière, ça finit en JDQ. Tu connais les JDQ? Non. Ben, c'est la merde. Ah, les Sidoku, ça marche pas tout à fait pareil. Ah. Ça veut dire que ça finit pas bien l'histoire. Ou le Kama Sutra.
Alors c'est où tu m'as dit? Ah, c'est pas l'autre là qui nous a dit les konishi, je sais plus quoi là, ouais, c'est un truc comme ça. Ok, ok. Donc, dans ces trucs là, vraiment, hein, plus je gamberge, plus je me dis, en fait là je me suis fait, excusez-moi l'expression, je vais essayer de parler le plus poliment possible dans les bons français. Enculé. Oh, c'est ça, comment vous savez? Non, je disais que vous étiez un enculé. Ah, ça fait vraiment plaisir. Je vous retourne le compliment. Oui, il a un peu tendu. Ah, mais merde. Vous inquiétez pas, moi je le suis pas. Et pourtant, j'aurais des raisons de devoir m'attendre la moitié de la ville. En bas? Mais j'essaie. Ah ouais? Mais tu me dis monte en bas. Pour trouver des choses à faire et les faire correctement. Monsieur, je me permets de vous arrêter parce que votre histoire est extrêmement longue, d'accord? Et j'ai pas trop le temps. Est-ce que vous voulez une nouvelle mission? Non, mais si vous avez pas le temps, y a pas de souci. Moi, c'est pour échanger et prendre. Je vous paye. Mais bien sûr. Et ben, vous me trouvez Curtis. Curtis. À gauche. Putain, vous savez, c'est celui qui a fait un rap contender sous je sais pas quoi là. Ouais. C'est celui des 12. Voilà. Et vous voulez quoi? C'est son gros chignon là, que ça tente les... Qu'est-ce que vous voulez des C'est un imbécile heureux. Moi, je veux une chose. Que vous fassiez la même chose qui a mis à mal mon gars. Il a pris la jambe de la part d'un putain de mormon. Je veux qu'il souffre et qu'on montre qu'on n'est pas des poteaux. C'est qui? Des mormons? Ok. Des mormons? Oui, des mormons. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai voulu user de quelque chose tout à l'heure. Je dis pas quoi. Ah. Mais que pour le coup, je peux les mettre à mal. Je peux les brûler, je peux les essayer. Comment je traverse? Et pourquoi vous faites... Attendez, permets-moi qu'il me pose une question. Hein. Allez-y. Et pourquoi je le fais pas toi-même? Alors pourquoi je le fais pas moi-même? Et pourquoi vous faites pas vous-même quand vous voulez soulever justement les personnes? Ok, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Non mais attendez. Faut pas mélanger, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de le faire, hein. C'est vraiment une vraie question pure. Nous on fait appel à vous parce que vous êtes plus nombreux et plus organisés. Ouais, donc... moi je vais vous répondre très sincèrement, alors je veux pas le faire parce que j'ai peur que la moitié de mes gars crèvent. Parce que simplement sur un échange, j'allais dire sans tirer nous sur les gens, on l'a soulevé proprement. Vaincu 0 sur 6, comment ça 6 60 000. Mais attendez, les mormons sont des fermiers. Oui, c'est des politiciens. Non, c'est des politiciens. Apparemment, hein, de ce que je sais, moi, il y a un temps, il est politicien. Moi, j'ai soulevé un politicien. Et je me demande pourquoi les politiciens ont autant de pouvoir dans la ville et qu'ils ont tiré dans la chambre de mon bré. Parce que c'est une ville bizarre. 60 000. C'est une ville bizarre, Grapside, c'est particulier. D'accord. Vous voyez où je vais en venir? Oui. C'est-à-dire que derrière, moi, j'ai pas peur de mourir. Je dois mourir ce soir à mort de rey. À mort de rey. Voilà. Mais c'est un peu con de mourir si, quand on nous lance sur un truc. Je veux dire, moi, on a la grinta. Oui, bien sûr. Du coup, vous ne voulez plus rien faire par rapport au mormon? Ah non, je veux plus rien faire. Je peux leur faire du mal, mais j'ai une famille qui a des couilles au cul et qui va les poser derrière si on se fait crever. Je sais que j'aurai ma vengeance même dans l'au-delà. C'est tout ce que je veux entendre. D'accord. Je meurs. Mais alors, que derrière, j'ai une famille qui... Si voilà. Jamais on attrape un mormon, vous voulez vous en occuper, vous? Sincèrement, non. Je veux qu'ils comprennent qu'en fait, nous, c'est pas que je veux pas m'en occuper. C'est que si je m'en occupe, le lendemain ou le surlendemain, ils vont me demander 200 000 et ils vont couper les couilles et embrayer encore. Moi, je veux qu'ils aient peur, comme moi j'ai peur d'eux. Je veux qu'ils aient peur, sincèrement, d'une famille, justement, pour qui on fait des missions, pour qui on travaille, avec qui on s'entend. On ne travaille pas avec 50 familles. Alors, oui, en gros, vous travaillez avec nous et en échange, vous voulez qu'on vous couvre, quoi, quand il y a besoin. Ah oui, ça, c'est la totalité. D'accord. Bien, eh bien, on va lier l'utile à l'agréable. Vous allez aller brûler leur champ. D'accord. Et nous on s'occupe de Mike. Voilà, on s'occupera de Mike et vous brûlez leur champ. Bon, allez, c'est parfait. Ça vous va? Ah ben oui, bien sûr. Vous avez brûlons de quoi faire les champs? Non, on va chercher les contacts pour les bouteilles là. Et si vous trouvez un Curtis, n'hésitez pas. Oh. Faites d'une pierre deux coups. On peut peut-être leur donner un contact pour les bouteilles justement. Donnez-leur. Notez les ombres, par favor. C'est qui? DJ, non? Non, lui il en veut. Ah, ok, bon bah, on l'a pas. On va chercher, c'est pas les soucis. Ou même on a des bidons, on va mettre le feu s'il faut. Mettre oui, voilà. 10 départs d'incendie, on met 10 départs d'incendie, bien sûr. Et les Curtis, est-ce que c'est un afro-américain avec des gros cheveux que sa tante a travaillé au LSD? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est lui. Bon bah écoutez, il me prend pour son ami, tant pis pour lui. Vous serez bien récompensé. Vous privez. Non, je l'ai pas répondu, je lui ai envoyé un message pour lui dire. Quand il le fait, il fasse un report pour demander à un staff de lui mettre le feu. À l'heure actuelle, ça serait. J'en pense pas tant. Oui, je vais le ban. Armand. Ouais, c'est vrai qu'on a perdu pas mal. Comme ça, quand il met le feu, il y aura Space Squad qui viendra et qui mettra vraiment le feu. N'importe quoi. Très bien, on va réfléchir à ça. Voilà. Oh, et ne vous inquiétez pas concernant Curtis, une fois
si jamais c'est vous qui mettez la main en premier dessus, il n'y aura pas de représailles. Il sera mort. Thanks. D'accord. Ça me regarde pas la finalité, moi. Moi, je vais vous me demander. Oui, non, non, mais je ce, fais... que je veux, ce que je veux vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas, personne de son côté ne vous cherchera. Bon, allez, même pas sa tante, ça, c'est dommage. Sa tante, elle avait l'air de. Moi, c'est sa tante, vous voyez, là, moi, là-haut, en ce moment. Ah, comment. Ils me mettent dans la merde. Sa tante. Sa tante, c'est. 03. Oh, oh. Mettez-lui des coups de couteau dans le bide, si vous voulez. Ah oui. D'accord. Quoi bon. Bonne idée, oui. Il est pas mort, lui. D'accord. Mais attendez, ce serait bien de lui mettre des coups de couteau avant de le tuer, hein, Curtis, comme ça au moins il voit. Non, là, non, Curtis, c'est pour nous. C'est la tante. Si vous arrivez, voilà, si vous arrivez à avoir la tante et Curtis, faites en sorte que Curtis voit bien le spectacle quand même. Ok. Bah oui. Non, mais ça, si vous arrivez à avoir la tante plus Curtis, vous nous appelez. D'accord. Perfect. Perfect. Parfait. Bah écoutez, super. Allez, allez bon. Gracias, merci Latin Kings. Pour les mormons, on s'en occupera. Bon, allez. Allez, on y va, allez, André, on a une putain de challenge, c'est parti. Voyez, père, quand on tue pas tout le monde, on peut trouver des terrains d'entente. Ça ne veut pas dire que. Bon. Appelle-le, tu le vois. En plus, quelqu'un doit mourir quand même, vous le savez oui. Très bien. Oui, mais. Oui. Mais voilà, on échange la vie de Plata contre celle de Curtis. Ah non. Ah bon? Ah bah non. Ok, il faut absolument que j'aille au Dragon Cage chercher à manger à boire. Ça n'a rien à voir. Bah si, puisque on veut tuer Curtis. Et en gros, Plata, il va donner la vie de Curtis en échange de la sienne. Oh, dans ces cas-là, on leur donne pas d'armes. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais non, parce que. On peut pas avoir ah oui, je vois. Ah, mais de toute façon, c'est les 100 000 dollars la vie de Plata, non? C'est pas un truc comme ça. Mais il y en a plein encore. Hein. On s'est mis d'accord? Là, je vais faire celle-là, là, niveau 20. Mais si, on devait les payer, en échange, il a dit, bah en échange, vous nous payez pas. Eh oui, c'était ça. Oui, voilà, ok, c'était ça. Oui. Oui, mais attendez, ce que vous n'avez pas saisi, Sacha, c'est que Katou et moi, on a discuté derrière. Oui. Et Plata meurt quoi qu'il arrive. Vous savez, dans mon livre... Oui. Il doit mourir. D'accord. Eh ben, si votre livre l'a décidé ainsi, alors, père... Après, vous savez... Plata ne va pas mourir sous les coups des pichons. Ah bon? Bah c'est parti. Sous les coups des Patriots. Waouh! Voilà! Prendre la zone. Elle est un peu trop cool. Bah, oui. Le clignotant, madame! Vous avez pas en faim, vous? Non, RAS. J'ai faim et soif. Ok, bon, parfait. Comme ça, on va dans le caille. Ils ont va... intérêt à le choper dans la soirée. Ah bah y'a rien. Oui, non, mais je pense qu'il devrait être facilement chopable, hein, Curtis? Ah, attention. Il est sur le qui-vive quand même, mais il a mis des coups de couteau à une femme qui était enceinte. Oui, mais il a pas mis des couteaux à... Il doit passer son temps sur le qui-vive. Il a pas mis des couteaux... Pardon, mais il y a mon Tamagoshi qui s'est mis sur mon écran. Oh, vous êtes encore avec cette histoire. Non, mais là, il est assis sur mon écran, mon petit Tamagoshi. Il est trop mignon. Oui, trop mignon. Oui. Bien, au moins, ce Tamagoshi lui permet d'oublier... Moto, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Où est Armel, Sacha? Oui. Je crois qu'elle est. Elle est repartie faire un aller-retour. Vous pouvez venir au Dragon Carry? Non, mais t'inquiète, hein, je sais que je vais y arriver, t'inquiète. C'est ce que je fais. Est-ce que vous avez les clés du. I know. De cette voiture, s'il vous plaît. Je vais aller chercher l'argent. Nana? Seconde. Oui, Nana a les clés. Les warnings vous vont venir ici. Pour parler et pour qu'on les paye. Mais wesh. Attends deux secondes. Je vous l'ai mis dans le canal. C'est beaucoup. J'avais dit 20 000 par tête. Ah oui? Bah oui. Ok, bah alors 20 000. On avait dit 20 ou 30 000 en fait, par tête. En gros. Comme vous le chat est en haut. Il est en mode qu'est-ce qui se passe derrière cet écran, tu vois? Parce qu'il voit plein d'images et tout et il pense que c'est réel. Je savais pas, mais ok. 20 000 du coup. Ok, c'est bon. Bon, 30 000 max, mais ça me paraît beaucoup. Donnez-moi le téléphone de vacances, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas, je vais le chercher. Je vais vous prendre les clés, ok? Mais tout le monde est trop loin, hein. Tant pis, on va esquiver. Attendez, Katou, vous voulez pas manger? T'inquiète, je vais les laisser venir petit à petit. De toute façon, là, je pense que ça va être facile. Il y a que des lapins, c'est facile. Franchement. Fais gaffe pour ton concert. Sacha. Oui, père. Retourne très bientôt en France. J'aimerais régler ce problème
pendant que je suis ici. Vous retournez quand en France, père? Il peut vous le dire, Sacha. Pourquoi, père? Ça brouillerait la surprise que je fais pour Katou. D'accord. Au fait, où est votre ami? Quel ami? Un casse-cou, je ne sais quoi. Ah, bah il devrait arriver demain. Oh, mais attends, je peux slide. Oh, je ne le verrai donc pas. Pourquoi? Demain, vous dites. Vous êtes pas là demain? Quelqu'un d'autre? Mais voilà. Pas plus de 2 semaines, Sacha. De quoi pas plus de 2 semaines? Votre ami, c'est ce que vous avez dit. Oui, il reste quelques temps. 2 semaines, c'est ce que vous avez dit. Oui, à moins qu'il aime les États-Unis d'Amérique. Eh ben, vous prendrez un appartement avec lui. Ou alors, je lui ferai un appartement comme à Brayton, dans la maison. Brayton a rejoint la famille parce qu'il est indirectement dans la famille. Ben, casse-cou est indirectement dans la famille. Non, Sacha. Bah si, c'est ma famille, c'est mon frère, c'est comme mon frère. Non, Sacha, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes dur, père. Oui. Vous voulez me faire un bisou? Non. Pourquoi je vous ferai un bisou? Nos têtes sont vachement proches. Mais alors? Oui, maître Kane. Oh, double tir! Ça va et vous? J'avais oublié que j'avais cette compétence. Ça va très bien, j'ai enfin pu sortir des bouchons dans lesquels j'étais bloqué hier. Je suis au Dragon Kai pour me faire les factures, si vous voulez venir, vous pouvez. Ah, bah j'arrive. Super. C'est un trajet en plus. A tout de suite. A de suite. Sacha, oui, père. Avez-vous un quelconque rapport avec ce qui s'est passé? Par rapport à Yuna? Oui. Père, je le jure que non. J'étais en gros, venez voir. Bah lui il va rester en haut en vrai hein. Corrélation. Pour moi c'est Sean. Moi j'étais exactement ici comme ça. Et en face de moi il y avait Ailey, j'étais en train de la draguer. Et pendant ce temps, et au bout d'un moment j'ai entendu tout le monde crier. Et en fait elle s'est fait planter vers là-bas je crois. Je pense que là elle devait être au fond un peu sur la gauche. Et c'est là qu'elle s'est fait planter. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour madame. Bonsoir. Bonjour monsieur. On parle avec Maroua, t'inquiète, c'est prévu. Bonjour monsieur, oui, et vous? Ouais, ça va, ça va. Bonjour. Rappelez-moi, vous êtes? Toujours Morningwood. Là tous, là, vous tous? Ah oui. Non, ils arrivent. Ah, ceux derrière nous, non, c'est pas de chez moi. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Moi, ce serait 4 menus, s'il vous plaît. Bah, venez. Oh non! Mais sinon les gars, pour avoir accès au canal, vous allez sur mon profil. Vous allez sur mon profil Instagram, d'accord? Oh merde. En dessous de ma bio, il y a marqué canal JL Tommy. Qu'est-ce que je vous... 4 menus? Oui, s'il vous plaît. Vous avez du poulet? J'étais super bon la dernière fois. On va voir. Oui, je peux vous faire du poulet, oui. Oh, parfait. Je te conseille le poulet, il est trop bon. Ouais, t'inquiète, je vais prendre des menus aussi, de toute façon. Vous en voulez combien, vous, monsieur? Comme ça, je fais tout en même temps. J'en prends 5. 5 pour vous? Oui. D'accord. Gracias. Vous avez une réduction au 5ème ou pas? Une réduction au 5ème? Oui. Quoi que vous appelez? Comme le burger shot. Ah, non. Non. Nous, on n'est pas, on est pas un fast-food. Donc. Ah oui, j'imagine, oui. J'attends là, je m'en ai au fond. Et il peut faire une réduction? Ah non, du coup, vu que c'est un restaurant. 4. 4 fois 150. Allez monsieur. Merci. En vous souhaitant un excellent appétit. Oui non, ça sert à rien, c'est vrai, parce que c'est les fantômes. Écoutez ça. Du coup je vais juste faire monsieur, ça à quoi que. Facture. L'autre il va bouger l'autre. Mais j'ai pas accès, je suis trop loin. À moins que. J'ai pas fait le 750. Ça va. Ok, carré. Bonsoir. Gracias. Normalement c'est bon. Bon appétit monsieur. Gracias, merci. Au revoir, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Oh non, il meurt pas direct. Venez, maître Kane, venez. Ah si, c'est bon, 2 critiques, parfait. C'est le jour de paye. Exactement. Vous avez tout compris. Vous avez essayé de m'appeler, j'ai vu aussi hier. Bah oui. Mais j'ai cru comprendre que c'était compliqué, ouais. Ouais, c'était un peu la merde hier. Bon, faites-moi toutes les factures là, qu'on en finisse. Alors... La première facture, du coup, ce sera pour la comptabilité.
Et vraiment, il fait que taper l'écran, frère. Il est là, il chase des trucs, je sais pas qu'est-ce qu'il chase. Quand c'est comme ça. Prends ça. Je vais mettre invisible. Faut que tu charges tout de suite. Ouais, ouais, c'est ce que je fais là. 10 500 entreprise. Hein. Ouais, de toute façon, je suis au max. Je vais mettre invisible et c'est tout. Oui, c'est ça. 10 500 entreprise. Voilà. Et là, je vais racheter avec Mario. Répétition 50. Comment ça, 50? Vu que c'est une facture récurrente. Mais faites-en déjà 4. Ça se trouve, vous serez mort. Et comment on... ça se trouve, je serais mort. Bah non, mais faites-en déjà 4 et ensuite on verra. Hein. Bougez pas, quoi. Répétition. Chaque répétition, du coup. Une semaine. Et voilà. Et du coup. Je paye encore, mais j'ai pas payé en fait. Cache tout le monde. Non, pas venant, regarde. Où ils viennent ? On veut pas s'en aller. C'est quoi ça ? Voilà. C'est le loyer. Et du coup, la prochaine facture, oui, c'est pour vous. Ça se paye tout seul les factures comme ça ? Wesh, 3 ! Ça, c'est une dinguerie, ça, c'est une dinguerie, ça. Les factures gagnent, ça se paye quoi ? Et voilà. J'ai pas mis la raison de facture. Oui. Oh merde! Prochain paiement maintenant. Voilà. Ok, normalement y'a tout. Eh, regarde. Hop, je vais me cacher, puis voilà. Hein. Vous me coûtez cher, hein. Ah bah, tu vous coûtes cher, mais je vous défends aussi. Ouais, merci, monsieur. Je sais pas, c'était. Y'a pas de quoi, merci. Dites-moi, je voulais savoir, est-il possible de. Vous êtes le patron de Dragon Tail ou pas? Je suis le copatron. J'étais trop loin que je les autres, je crois. Tant que je vous tiens. Bon, soir, hein, regarde, c'est fini. Putain, j'ai mes anciens contrats, vous voulez que je vous les donne ou pas? Hop là. Si vous avez besoin que je les mette dans la comptabilité. Non, vous savez quoi, je vais les garder parce qu'en vrai, le truc c'est que vu qu'ils sont pas datés, je les fais tourner en boucle. Pour l'instant, on me pose pas de questions. Ouais. Ok, par la suite, faudra les dater, comme ça on sera pas emmerdé avec le fisc, tout ça. Quand on me grondera, j'ai daterai. Ok. Après, c'est mon cabinet qui risque de prendre derrière, vu que je vais authentifier les documents, etc. Donc, à partir, si vous pouvez, à partir d'aujourd'hui ou de demain, commencer à dater les contrats, ça serait parfait. D'accord, ça marche. Très bien. Vous allez me dire quoi ? Savoir s'il était possible d'avoir un contrat pour avoir des menus au cabinet. Oui, on peut, on peut faire ça. Ok, bon, bah, je prépare ça pour dans la semaine, du coup. Super. Merci, Maître Kane. Merci à vous, Monsieur Pichon. Je vous laisse sortir. Avec plaisir. C'est mon avocat, hein. Vous pouvez parler devant lui. On est des criminels, on va tuer des gens. Le président, c'est... Ok. C'est les Morning Wood. Au revoir. Bonne soirée, monsieur. Ah mais il est sous silence. Par où? Bah, c'est mon avocat. Sacha. Voilà. Oui. Vous présenterez un avocat. Ça servirait à manger à boire ou pas, vite fait? Bah oui, mais si tu payes, oui. Bah oui, je paye. Et cette sacoche, je la cherche partout, cette sacoche. Tu l'as achetée où? T'en veux une. Oui, t'en as une en plus? Oui, j'en ai plein. Dites-moi en une. Tu veux celle-ci? Parfait. Celle-ci. Non, la sacoche. Attends, je vais te donner celle-ci. Attends. Oh, oui, une que je mets pas. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Je t'offre le menu, du coup. Ah, c'est un collier, d'accord. Merci. Ah, bah oui, c'est bien mieux. Et mes armes, elles rentrent là-dedans? Non, j'ai déjà fait le test, on le voit, le pompe, on le voit. Moi par contre, je veux je t'ai arrangé, s'il vous plaît. Et qui, tu me patches ça, mon frère? Je vous mets deux menus pour tous, là. Non, non, moi, il m'en faut 5. Toi, il t'en faut 5, oulala, vous me faites chier. Ça m'a l'air d'abord trop tard. 5 tout le monde? Ouais. Donc attends, il y a combien de 5? Ça fait 15. Ça fait 15, ça fait 15. Ok, donc il y a 3-5, quoi, en fait, c'est ça ma question, plutôt. C'est ça, exact. Bah ouais, du coup, on est 3, t'as vu? Bah oui, d'accord. Ah non, non. Oh, sont nuls. Vous avez quel âge, madame? Tu vois pas comme ça. 22. Vous avez 22 ans? Bah ouais. Et oui, bien sûr, bien sûr. En plus, je suis occupé là. Je fais une manufacture pour tout le monde ou chacun paye sa part? Ouais, c'est King qui va payer. Non, là, je peux pas là. C'est lui qui paye? Oui, vas-y. Ouais, c'est lui qui paye, ouais. Attends, je te rappelle. Non, mais ça va être hyper dur comme combat là. Quoi, son arme? Oh! J'ai 1004, ça fait assez ou pas en espèce? 1004, mais monsieur, vous êtes au Dragon Kai, il a pas au Burger Shot, hein. Ça coûte combien? Ça coûte combien, je sais pas. Attendez, 150 x 15. Ça fait combien ça? Le menu il a 150. C'est quoi une 4 tours? Fais-le à 125, tu m'en prends 15. 150 dollars.
s'il s'en passe des choses le vendredi. Ou 1008. Qui c'est qui a 475 dollars? 415 dollars, c'est bon, c'est pour la sacoche. Je fais 750. Donc je te fais combien là? Il me fait 1400. La sacoche, elle fait 750. Oui, c'est bon. Tiens, cadeau. Merci, Sacha. Ah, paye. Ok. Oui, c'est logique. Mais je peux pas payer en espèces. Bah, donne-moi là dans la main. Tiens. Tiens. Ok, super. Ah, il faut juste survivre, exact. Je peux m'annuler la facture. Je veux bien. Attends. Oh, il meurt pas là! Oui, c'est ça. Sale pute! Tiens. C'est bon. Ah, faut juste survivre. Merci. C'est bidon. J'ai fait ça pour le prochain reboot? Ok, masterclass, c'est qui? Je sais pas, après vous de votre côté. Oh. Elle est bien, elle a sa sacoche? Tiens, je sais pas où je clique. J'ai le chat devant. Oui, allô? Oh merde. Allô, pardonne mon appel, je te dérange pas. Mais y'a aucun problème, Jean, y'a aucun problème, voyons! Oui, mais oui, mais oui! Je voulais savoir, je suis en train de faire mes impôts là, je voulais savoir si je me verse un salaire, ça compte dans les dépenses ou pas? Oh merde. Ou ça compte dans les... Je pas survivre bien longtemps. Parce que si ça compte dans les dépenses, bah c'est cool. Tu payes pas d'impôts. Et ça compte pas dans les dépenses, Je crois que oui, ça fait partie des charges, je crois. Hein. Tu connaîtrais quelqu'un qui serait sûr à 100%? Mon avocat, tu veux le numéro de mon avocat? Bah oui, je veux bien. Attends. C'est 0518. 18, je l'appelle. 0518, de rien. Vous êtes d'ailleurs à l'heure actuelle le seul groupe de défense. Pour être totalement transparent avec vous. C'est vrai, regardez. À l'hôpital, Sacha, il a laissé sa voiture ouverte. Dedans, il y avait la même chose que la dernière fois. Je l'ai pris pour lui rendre. Oui, oui, on en saura jamais, père, si jamais ils l'ont pris pour me le rendre, étant donné que je suis arrivé et que je les ai pris en flagrant. C'est bidon, c'est bidon. Mais justement, tu laisses ta voiture ouverte, Sacha. On n'en saura jamais rien, père. Aïe, mais putain, pourquoi il focus mon lapin, Sacha? Pute, oh non, bah alors là, c'est la merde, là. Là, je suis mort. Si vous aviez encerclé la voiture dans mon retour, oh non, que personne n'y touche, là, je vous aurais cru sur parole, mais là, vous êtes rentré dans la voiture, vous avez pris le pompe dans vos poches. Bah oui, parce que même si on sait la voiture, les gens ils montent quand même dans la voiture. On sait jamais vraiment. On n'en saura jamais rien, père. Il était en sécurité. Moi je vous le dis, on n'en saura jamais rien. Puis, si, oh non. C'est horrible. Quand tu as sorti ton arme pour que je te le rende, adieu. Tu aurais très bien pu sortir le pompe. Quand tu as voulu que je te le rende. Oh salope. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Oui, mais j'aurais toujours le doute. Oh attends, une petite charge. Voilà. Oui. Mais j'aurais toujours. Tac. Alors là, je suis invincible du coup. Au fond de ma tête, qui me dira et si. Toujours un petit grain pour les vous. Oh, regardez, je vous ai servi, j'ai même pas mangé moi-même. Moi. Est-ce que j'ai un problème avec les vous? Est-ce que vous avez toujours un petit grain pour les vous? Un petit grain gentil ou un petit grain méchant? Un petit grain méchant. Non. Vous voulez aussi manger, Katou? Eh oui. Mais pourquoi j'ai perdu? Les Wu nous ont trahis à 3 reprises. Vous nous avez trahis à 0 reprises. C'est vrai. Sauf que Sacha a un grain contre vous. Mais j'ai pas de grain contre eux. Mais non, mais j'ai pas de grain contre eux, hein. Il a un petit grain contre moi. Merci beaucoup. Attends, on va remettre tes compétences, hein. Oui, allô? Dites-nous. Oui, qui est à l'appareil? C'est... Tu nous as demandé pour le truc, on l'a. Mm-hmm. Curtis. Ouais. Oh! Ben, on arrive. Alors, Volplanier, on s'en fout. Oui, s'il vous plaît. Dégâts des armes, on s'en fout. Père! Ah, faut que j'améliore. Regarde, ça, j'enlève un tour déjà. Père, notre livraison est prête. La livraison de. UPS, ils nous ont mis en point relais. Ok. Oh. Décidément, n'achetez jamais sur internet, c'est infernal de point relais. Bon, et bien, on vous rappelle, ok? Oui, si vous avez quoi que ce soit à nous demander, n'hésitez pas. Et je vais mettre full vie. Ce qu'il faut derrière. Parfait. Voilà. Parfait. On y tâche. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée. Merci à vous. Et je vais mettre... du dégât. Aïe. Aïe. Mérité. Bonsoir. Ça va? Allez, c'est parti. Bonsoir, on est fermé, hein. Bonsoir. On vient de fermer. Mais désolé. Quand vous dites livraison, vous parlez de ce que je crois? Bien sûr. C'est vrai, Ace, je me trompe. Oh putain. Locke, c'était. Bien sûr, je parle de ce que vous croyez. Ah, vous êtes dedans? Oh, ok. Oui, j'ai préféré rentrer par le cop cette fois-ci, la boîte à ski. La boîte à ski? Ah oui, vous me disiez que vous connaissez un avocat, père? Oh oui, je connaissais de bons avocats. Ah bon?
Oui, ils sont venus faire office dans cette même ville. Je ne sais pas s'ils sont encore là. D'accord. Comment ils s'appelaient? Voilà, quadruple protection. J'étais un duo d'avocats. Moi, un. C'était Maître Sterling et Maître Cooper. C'est comment le premier? Sterling. Comment? Moins deux. Sterling. J'ai pas bien entendu. C'était Sterling. Comment? Et Maître Cooper. Sterling. C'était quoi son nom? C'était Sterling. 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 Ça ne répond pas à ma question, ceci dit. Est-ce que quelqu'un peut prévenir Jean, s'il vous plaît? Oui. Bien sûr. Je vais me mettre en tenue si ça vous gêne pas. Jean et Brighton? Ah, Jean est occupé. Je préviens aussi Brighton? Oh, faire en tant que patriote. Mais non, faites-le en tant que nous, de toute façon on va le tuer, non? Non, mais c'est juste pour le moment de filmer. Non, il faut qu'on ait des preuves accablantes sur les patriotes. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le tuer, père? Mais pourquoi je ne le tuerais pas? Il a tué deux enfants, abruti. Il a tué vos deux enfants. Non, mais oui, c'est vrai. Bah. Ah, ben, je comprends, hein. C'était pas. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que moi, je suis pas sûr, hein. Pourquoi vous êtes. C'est vrai que je pourrais mettre le spark à pitch. J'ai peur pour la police. J'ai pas pensé. En fait, c'est le truc qui m'inquiète un petit peu. C'est que j'ai peur que si d'un coup Curtis disparaît, on soit les suspects, en fait. Attends, mais j'ai pas la protection là? Ah, ça, je suis pas bon, absolument tours. D'accord avec vous, père, sur le fait qu'ils doivent mourir. Hein. Mais. Bernard. Mais. La police pourrait très vite faire une corrélation entre moi qui suis le père et qui veuille le tuer et la disparition de Curtis. C'est en fait ça qui me fait peur, moi, c'est tout. Il y aura pas de corrélation parce que c'était Sean officiellement le père, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais bon. Comment ça, mon keuf? Oh, attendez. Je pense qu'il faut quand même faire attention et pas... Appelez Jean. Et il n'est pas est-ce que vous voulez appeler Yuna? Vous l'appelez Yuna? Ouais, faites-le vous-même. Hein. Mais qui voit sa propre... La pauvre, qui voit sa propre... J'y vais... Vous voulez la ramener ici? Ben pourquoi pas? Je ne sais pas si elle voudrait voir ça, elle est quand même assez traumatisée, non? Oh, au contraire, c'est ça. Elle a dit qu'elle voulait clairement voir ça. Ah ouais, j'ai vu ça, ça dure qu'un tour, hein, c'est de la merde. Là, du coup, on y va en patriote ou... Oh, c'est toi, va. Peu importe. Oh, il focus, ce bâtard. Tain, ils sont vraiment intelligents. Hein. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, quand même. Oh, c'est horrible. Adieu. Bon, tu sais plus, ok. Bon, en tout cas, c'est bien. Oh! Parlez plus fort. Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il m'a reconnu par contre sous mon masque. Il m'appelle Ernesto. Hein. Il m'a reconnu. Ne vous inquiétez pas, il va mourir de. Ah. Non, voilà. Mais ne veux pas mourir, j'ai rien fait de mal. Non, fermez-la. Vous avez rien fait de mal, on va en discuter. On vous rappelle juste après pour. Vous savez quoi? On décale. Mais toi, tu peux pas faire ça, s'il te plaît. Mais toi, Coupi, toi, ferme ta gueule. Bah, je suis foutu, hein. Allô. Moi, j'ai peur pour les keufs, hein. Moi, j'ai peur pour les keufs, les mecs. Oh là là. Non, c'est pas gentil. Il doit canner. Ah, mais qu'on soit clair, il doit canner, hein. Bon. Là, vraiment, la question n'est pas là. Oh. Raconte-nous ta soirée de vendredi. C'est horrible, hein. Alors, on va mettre des sparks. En vacances. Je suis allé à l'hôpital pour demander un stage. C'est le problème. J'ai accepté mon stage. Qui t'as pas le niveau? T'es fou? T'es fou? Ça, je suis allé manger au Dragon Kai. Et au Dragon Kai, il y a eu un problème. Avec quoi as-tu coupé ta viande? Bah, j'ai pas coupé de viande. J'ai pas mangé au Dragon Kai vu qu'il y avait un problème. Quel était ce problème? Il y avait une fille que je connais qui s'est fait faire du mal. Enfin, qu'on lui a fait du mal. Et qui lui a fait du mal? Ah voilà. J'ai pas le droit de dire. Oh, en fait, il va falloir. Je vais gagner. Tu vas mourir. Non. Donc qui lui a fait du mal? Je sais pas son prénom, mais c'était deux mecs. Il y avait un qui avait un AK-47. Dans le Dragon Kai. Oui. Mais ils sont venus discrètement. Regardez ce qu'il avait sur lui. Un beau couteau? Oui, c'est mon couteau. Bah oui. Et pourquoi as-tu un couteau sur toi? Pour me défendre.
Ah oui. Oui.